J'avais bien entendu, entendu parler de ce laser mégajoule depuis bien longtemps, mais sans avoir la chance de le visiter. Grâce à Elconnect, j'ai eu cette opportunité. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à cela. La présentation était très, très, très claire. Même les termes scientifiques, on arrive à peu près à comprendre. Non, vraiment, vraiment très, très impressionnant et impressionné. Ouais. Le fait de se retrouver dans un univers complètement atypique et puis, je dirais même surréaliste, parce qu'en fait, on est dans un univers infiniment grand pour un petit atome, un vingtième d'atome tout petit petit, on se croirait dans du surréalisme le plus total. Je n'aurais jamais soupçonné qu'il existait un tel endroit proche de chez nous, à côté de Bordeaux. Mm-hmm. Et donc, premières impressions très positives, j'étais ravie d'apprendre que nous avions ça sur notre territoire et surtout de le visiter, d'avoir cette chance, cette superbe opportunité de le visiter. J'en ai retenu beaucoup de choses. Bon, déjà, un enrichissement personnel, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours dans notre métier. Et puis toutes les possibilités qu'il y a derrière, tout ce qui peut nous être promis avec ce laser mégajoule. Donc, malgré les manifestants qu'il y avait dehors, je pense qu'il y a du potentiel pour l'avenir. Ce que j'ai retenu, c'est que Bordeaux est une zone très attractive pour les chercheurs en physique, et se dire qu'au niveau, à la maille internationale, se dire qu'il n'existe dans le monde que deux sites, un en Californie et un à Bordeaux, c'est quand même une richesse pour Bordeaux, et je pense que c'est un pôle d'attractivité très, très important. Et puis surtout, cette visite permet de rencontrer d'autres personnes dans un climat différent. Donc c'est faire du réseau, voilà, faire du réseau différemment, sans parler d'un sujet professionnel. Donc c'était une très très bonne matinée à renouveler. Alors je suis ravie, je suis absolument ravie, parce que d'une, ça m'a permis de rencontrer un nouvel univers, de voir d'autres choses. Et puis au-delà de ça, ce sont toutes les rencontres qu'il peut y avoir avec les personnes qui étaient là ce jour-là. On rencontre de belles personnalités, des personnes qui effectivement travaillent dans des univers totalement différents du mien, mais qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes envies, les mêmes soucis, les mêmes contraintes. Et le fait de partager, d'échanger, d'avoir un regard neuf, c'est très intéressant. Donc ce réseau Elconnect a eu le nez fin d'organiser ce type de rencontre, et c'est vraiment une belle opportunité.